am going to establish a government market for gold at prices to be determined from time to time. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Our own FedNow service will be coming online in 2023. We are examining whether a U.S. central bank digital currency would improve upon what is an already safe and efficient domestic payment system. A U.S. CBDC could also potentially help maintain the dollar's international standing. Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 avril 2023, 8h50, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Beaucoup de distractions. C'est le but de nos maîtres, de nos dirigeants, hein, et de ceux qui nous amusent, les médias, de nous divertir, parce que il y a des choses plus importantes qui se passent. Les sujets dont on nous parle jour après jour, les guerres de culture, les conflits potentiels à gauche et à droite, tout ça c'est un écran de fumée pour nous faire oublier qu'on est dans un système complètement mondial et global. Et ça depuis très longtemps, ça remonte à la création des religions organisées, les trois qu'on appelle monothéistes et qui sont toutes de la même nature et de la même origine, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont englobé presque l'ensemble de la population, l'ensemble des pays et l'ensemble des continents. Et d'ailleurs, tous les autres qui ne sont pas dans ça suivent quand même cette trilogie de foi qui nous dirige et qui dirige l'économie, qui dirige les gouvernements, qui cimente le contrôle de la classe dirigeante. D'ailleurs, tout le système dans lequel tu es, le système de gouvernement, le système de citoyens qui payent des taxes et qui travaillent pour la classe dirigeante, tu remontes à l'épopée des, par exemple, de l'Empire romain. Et on a utilisé Jésus pour venir rappeler au bon peuple qu'il doit payer ses impôts et qu'il ne peut rien faire sur terre pour se sortir de la misère et de l'emprise de la classe dirigeante. Et on utilise même Jésus pour te dire que faut que tu sois un martyr. Si on t'abuse, on te frappe la joue gauche, il faut que tu tendes la joue droite. Et si on te demande de payer plus d'impôts ou de perdre tes libertés, ce sera ton lot et il y aura quelque chose pour toi après la mort. Pendant ce temps-là, on a les saintes écritures, hein, que des gens utilisent, et là on cherche la fameuse bête, l'antéchrist. Ça fait 3000 ans qu'on le cherche, on ne l'a pas trouvé encore. Mais une chose est certaine, le système a compris comment contrôler totalement la population maintenant, parce que la technologie te le permet, la biométrie te le permet, les ordinateurs quantum te le permettent, la 5G te le permettent, et c'est par comment tu vas aller chercher, parce que le nerf de la guerre, si tu le vois, si tu remontes même juste à l'Empire romain, les taxes, les impôts, l'argent, l'argent, c'est ce qui contrôle le monde. Et contrôle ta vie et la mienne, on peut pas sans, tu peux pas vivre sans un revenu, sans argent, hein? Parce que même si tu disais, moi je décroche du système, moi je suis un ceci, je suis un super-héros, je décroche du système, oh, 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 va falloir que tu te nourrisses, tu vas aller faire quoi, mendier, tu vas avoir besoin de l'argent, ou tu vas aller aider quelqu'un pour avoir quelque chose en retour, tu auras toujours besoin, hein, d'un bien et d'un service quelconque. Donc tu ne peux pas te sortir de ça, ça fait partie de la nature humaine, appelons ça comme ça. Tu as besoin d'une interaction quelconque pour survivre. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et maintenant, tu as vu, au fil des années, c'est pour ça que je t'ai fait troller le petit tape au début de la vidéo qui démontre comment le gouvernement le plus puissant au monde, celui qui gère cet argent-là depuis la Première Guerre, surtout Deuxième Guerre mondiale, et qui a fait de sa monnaie la monnaie de change de presque tous les pays, ou tous les pays. Il n'y a pas un endroit, même dans le fin fond, hein, d'une jungle reculée où tu ne reconnais pas un billet de 20 $ américain. parce que ça a été l'argent que tout le monde a accepté. Surtout quand Richard Nixon, en 70, a sorti les États-Unis de ce qu'on appelait l'argent qui était soutenu par l'or. Et FDR, Roosevelt, a même interdit aux gens dans les années 30 d'acheter de l'or et de remettre tout leur or. Parce que l'or, c'est vraiment ça, la vraie valeur. Si tu veux quelque chose qui passe les siècles et les millénaires, l'or et l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important, puis ce qui garde toujours sa valeur. Peu importe les systèmes, les crises, on en revient toujours à l'or. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? Et maintenant, on le voit, cet argent-là, qui n'a pas vraiment ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Là. Il n'y a pas vraiment de valeur à ça. La monnaie fiduciaire est la monnaie comprenant des pièces modernes et des billets de banque. C'est un instrument financier dont la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque. Et qu'est-ce qui fait que le dollar que tu as dans les poches, en papier, c'est ça qu'on utilise, c'est la confiance que nous autres, on a là-dedans. C'est ce que Wikipédia nous dit même. Hein? La confiance que lui accorde l'utilisateur comme valeur d'échange, un moyen de paiement et donc une monnaie, repose sur un principe de garantie défendu par une institution centralisatrice. La monnaie fiduciaire est aussi ancienne que la monnaie, même que le bien de référence était une quantité de grains ou une tête de bétail. Il était possible de réaliser des transactions, des prêts ou des dépôts avec des objets représentants ou représentatifs de ces biens réels, mais peu pratiques. C'était pas trop pratique. Donc, l'argent. Et là, maintenant, on le voit, il y a une guerre énorme qui se fait pour savoir, parce que l'ordre mondial a été déstabilisé depuis quelques années, et on le voit, c'est de savoir qui va dominer le monde, comment on va dominer le monde, pas par des guerres, des conflits, puis la puissance de ton armée, mais par la place que ton argent national va prendre dans tous les échanges. Puis on le voit, de plus en plus de gens, ou de plus en plus de pays, je voulais dire, se détachent de la dépendance de l'argent américain, parce que, naturellement, avec l'argent vient aussi des conséquences puis des sanctions politiques au niveau gouvernemental. Puis on l'a vu, les Américains ont mis beaucoup de sanctions sur beaucoup de pays qu'on n'était pas, avec lesquels on n'était pas alignés politiquement ou philosophiquement. Et ça a fait que ces gens-là se sont retirés de plus en plus pour créer un nouveau... une nouvelle alliance parallèle. La plus importante, c'est celle qu'on appelle la fameuse alliance de BRICS, qui est l'acronyme de 5 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les 4 premiers ont été initialement regroupés sous le nom de BRICS, mais en 2001, imaginez-vous, c'est Goldman Sachs, c'est Jim O'Neill qui a inventé le terme pour décrire les économies croissantes. Donc, qui est derrière ça? C'est les grandes banques. Donc, c'est pas quelque chose de vraiment révolutionnaire. Tu peux pas t'en sortir. Le système est vraiment puissant. Et même quand on te donne l'impression qu'il y a quelque chose d'espèce d'un peu... comment dire, underground ou révolutionnaire, là, on se détache des États-Unis puis des grandes banques. Non. Tu es toujours coincé dans le système bancaire, peu importe ce que tu fais. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand tu t'en vas dans les Écritures, tu cherches la fameuse l'antéchrist, on ne l'a pas trouvé, parce que peut-être l'antéchrist, c'est le Christ lui-même, tu comprends? Parce que cette idée d'imposer, puis d'être allé tuer, puis massacrer tous ceux qui ne pensaient pas et qui ne croyaient pas dans ton Dieu unique de Moïse et d'Abraham, moi je ne le sais pas, là, mais... Et de l'imposer comme un système, puis d'aller aux 4 coins du monde et d'imposer une violence extrême, c'est écrit même dans l'Ancien Testament, détruis-les complètement, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, parce qu'il y avait plusieurs divinités, plusieurs croyances, la croyance dans la lune, le soleil, la mer, des choses toutes inoffensives d'ailleurs, Et quant aux femmes et aux enfants et au bétail et tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous et tu pourras utiliser le butin que l'Éternel ton Dieu te donne de la part de tes ennemis. D'abord, on a vu la richesse, entre autres, de toutes ces grandes religions-là organisées, la puissance, parce qu'on a volé, dévalisé, massacré et pillé tout ce qu'on avait au fil des 3000 ans. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après ça, on a installé ça en système global, mondial. Puis c'est inébranlable, inébranlable. Et là, on est là en train de chercher un antéchrist et la marque, la fameuse marque de la bête, tu sais, où on te dit, tu auras une marque et tu ne pourras pas acheter si tu n'as pas cette marque-là. Ben, donc, tout ça, c'était un petit peu farfelu, mais en même temps, avec un fond que tu peux trouver, tu sais, de vérité, dans le sens où ça va arriver parce que ces gens-là qui nous gouvernent, ces trois grandes religions organisées, sont diaboliques, sont diaboliques. Et au fil des 3000 ans de leur existence, n'ont jamais éliminé et t'ont jamais amené le paradis. Ça aurait dû être leur but ultime. Mais non, t'ont gardé esclaves à leur service pendant qu'eux ont dominé le monde en s'installant et en s'organisant de plus en plus sophistiquement. Et là, ce qu'on est en train de nous faire, l'histoire de... hein, qu'on lit dans les Saintes Écritures, où si t'as pas la marque de la bête, tu pourras pas... Ça arrive, mais c'est pas comme on le pensait, d'une façon plus, comment dire, plus comique, là, avec une marque sur ton bras ou dans le front. Ça va être par l'argent. Et comment on va faire ça? Parce que comme tu as besoin d'argent, puis on a installé maintenant le système de la monnaie fiduciaire comme système, hein, maintenant, tu peux pas aller à une banque payer avec de l'or, tu peux pas aller au supermarché payer avec de l'argent ou avec un bétail ou avec une poule. Partout, même dans le fin fond de la jungle, si tu veux faire une transaction, on va t'exiger de l'argent, monnaie fiduciaire. Eh bien, tout le monde est pris là-dedans. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, chrétien, juif, athée, que tu vénères les tomates, les carottes ou les céleris, on est tous pris maintenant dans ce système. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va s'en aller, et c'est de plus en plus à l'approche, de plus en plus proche, là, dans une monnaie virtuelle. Donc, on aura coincé tout le monde là-dedans, on a la technologie maintenant, et là, on va enlever la monnaie papier, qui donnait encore une illusion de liberté. Maintenant, on va t'enlever ça, maintenant que tout le monde est coincé avec la monnaie fiduciaire pour survivre, pour transiger. Là, on va arriver avec la monnaie numérique. Pour te convaincre, on va te dire que ça va être vraiment plus facile, plus pratique. Les commerçants vont avoir leur accès à leur argent tout de suite et ainsi de suite. Plus sécuritaire, plus ceci, plus cela. Parce que naturellement, il faut toujours te convaincre. Et on le voit, la Chine est une des premières. Hein? La Chine, quand même, le pays presque le plus populeux au monde. Avec son yuan numérique, yuan numérique. Ben déjà, parce que c'est un pays totalitaire, mais tout est aligné, et toute cette corporation, toutes ces banques, le monde corporatif, le monde financier, le monde de l'industrie et le monde politique s'est aligné avec la Chine parce qu'on aime ce modèle-là, parce que il est totalitaire et les dirigeants aiment le totalitarisme. Tous les dirigeants aiment le totalitarisme. Tous les dirigeants détestent être critiqués, questionnés et avoir une opposition. Tous les politiciens détestent avoir une opposition, ils aiment régner en grand maître totalitaire, puis on le voit de plus en plus, ça s'installe partout. La Chine a déjà commencé à établir son yuan, puis il s'en vient déjà presque, c'est presque partout, d'autres pays le font aussi. Et qu'est-ce qui vient avec ça? Une fois que l'argent papier sera disparu et que tu ne pourras plus l'utiliser, ben, il y aura les conséquences de ce geste-là, qui seront l'équivalent de la fameuse marque de la bête où on dit, si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas dépenser. Ben là, avec l'argent numérique, on aura le contrôle, le suivi total de ce que tu fais, de ce que tu reçois et de ce que tu achètes, de ton emploi. On va incorporer avec ça l'urgence climatique, les changements climatiques. D'ailleurs, c'est déjà commencé avec plusieurs cartes de crédit. On suit tes traces, tes empreintes écologiques, quand tu arrives à un tel nombre qu'on a établi, tu peux plus dépenser sur ta carte de crédit parce que là, ton empreinte écologique devient trop importante. En Chine, on a le crédit social qu'on est en train d'installer un petit peu partout, le bon citoyen, comment on va l'évaluer. Et on a mis même une date d'expiration sur la monnaie. Et probablement que si tu as des points ou des points de vue politiques qu'on n'aime pas, on pourra geler ton argent, on pourra t'empêcher d'acheter, payer tes choses. Il y aura des conséquences. On pourra même faire disparaître ton argent juste en pressant sur un bouton. Donc, tu te demandais où est l'Antéchrist. L'Antéchrist est probablement à l'intérieur même de ces trois religions-là. C'est probablement même ces trois religions monothéistes qui sont l'Antéchrist ou l'idée d'une entité qui va à contre la volonté, de la bonté et de la divinité. Comprends-tu? Et la marque de la bête, c'est pas une marque que tu auras, mais même si le concept est là, puis il était déjà dans les anciens écrits, mais tu l'as maintenant, il s'en vient à grands pas. Quand ça sera établi, c'est tes dirigeants qui vont décider si toi tu peux acheter, si toi tu peux dépenser, si toi tu peux payer ton loyer, parce que cet argent-là sera virtuel et on en aura le contrôle total. Tout est là, mais pas de la façon dont on te l'a expliqué ou on l'explique depuis des dizaines ou des centaines d'années qu'on essaye de déchiffrer. L'Antéchrist, il est où? L'Antéchrist, il est à Rome, il est à Jérusalem, puis il est en Arabie Saoudite. Les trois grandes religions représentent l'Antéchrist ou l'idée d'une antidivinité. Et la marque de la bête, ben tu l'as. C'est ça, c'est maintenant, ça commence, l'argent numérique. Wow! On commence la semaine sainte de façon rock and roll, hein? À plus!